500 500, je dirais. 500, un peu plus. Moi, j'aurais dit 1000. Plutôt 800. Ouais, 1000 comme ça, quelque chose comme ça. 800, nouveau mot. 500. Je dirais grosso modo des centaines peut-être. Oui, oui, plusieurs centaines. Ouais, il y en avait un bon paquet. Au moins 1500. En fait, c'était un dictionnaire, je pense. Merci. Savez-vous que chiralité en chimie, chéroptère en zoologie, chiropracteur ou chirurgien sont des mots tous basés sur la même racine, une racine grecque qui signifie la main, chair. Vous entreprenez des études de santé et la masse de nouveaux termes techniques à apprendre a de quoi faire peur. Pourtant, il est tout à fait possible de se préparer à l'apprentissage des termes scientifiques utiles aux études de santé. Avec ma collègue Claire Lefeuvre, professeure de grec, nous avons imaginé pour vous un cours disponible en ligne, le MOOC, intitulé « De l'atome à l'humain, à la racine du vocabulaire scientifique ». Grâce à ce MOOC, vous allez découvrir que les mots de vocabulaire médical et scientifique sont composés de racines, et qu'en explorant ces racines, vous serez capable de mieux comprendre et d'apprendre le vocabulaire d'une manière beaucoup plus efficace. Comment se fera cet apprentissage ? Pendant 4 semaines, vous accéderez librement à des vidéos, à des cours, à des activités, à des jeux. Une équipe de tuteurs sera d'ailleurs à votre écoute pour vous guider. Et vous débuterez vos études scientifiques et de santé armées de connaissances qui feront la différence. Pour vous inscrire, rendez-vous sur funmook.fr.